Le tennis, un des sports encore beaucoup pratiqués par les jeunes béninois, était à l'honneur ce 5 septembre 2018. C'est dans la cour de tennis du Club des Nations qu'a eu lieu ce tournoi organisé par l'ONG Play Your Game. Ils étaient une centaine, ces enfants venus prendre part à cette compétition qui a connu la présence et le soutien de la représentante de la Banque mondiale au Bénin. Ce tournoi n'a pas été facile pour moi, du début jusqu'à la fin. Bon, j'ai fait des merveilles dans ce tournoi cette année. Bon, l'année passée, j'avais fait finale. Cette année, je me suis donné pour dire que je vais remporter cette fois-ci, cette année. Quand il fait ses services, je lui fais des retours, mais il n'arrive plus à faire l'échange avec moi. Bon, je remercie les organisateurs de nous avoir organisé ce tournoi chaque année. Je les remercie que chaque année, ils font tout possible pour nous organiser ce tournoi. Ça s'est bien passé. Il a bien joué. Donc, moi, mais j'ai vu qu'il a bien joué. C'est pour ça qu'il a gagné, quoi. Donc, je le félicite beaucoup. Quand je le sais, il retourne bien. Donc, quand je gagne, il ramène bien. Quand je tape, il fait tout pour contrer la balle. Ça vient, ça me gêne. Donc, tout ça. Quoi. Pour la prochaine fois, je vais travailler sur ça et bien améliorer dedans. Quoi. Je suis très heureux et très content parce que l'année passée, il y a eu 101 enfants et cette année, c'est 116. Ça veut dire que les enfants ont compris qu'il faut jouer au tennis. Et il faut aussi aller à l'école. Donc l'objectif de ce tournoi, c'est de permettre aux enfants de comprendre que nous sommes là pour les apporter un plus, pour qu'ils jouent bien et aussi pour qu'ils aillent à l'école. Mais l'année prochaine, nous avons déjà pensé à ça. Nous pensons qu'on va essayer de trouver des sacs à tous les enfants qui vont jouer ce tournoi l'année prochaine parce qu'on essaie de donner des prix du premier tour jusqu'à la finale. Donc l'année prochaine, on va essayer chaque année de faire des efforts pour apporter un plus dans la vie de ces enfants. Ça fait 4 ans qu'on a lancé cette compétition. Parce que c'est quand on a créé l'ONG, on a commencé par dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a encore apporté aux enfants. On a compris que leur faire un tournoi, parce que parmi eux, il y a beaucoup qui vont à l'école et il y a beaucoup qui ne vont pas à l'école à cause des moyens. Il y a d'autres, même des fois même demain là, comment ils vont partir à l'école pour dire je vais avoir des cahiers, ils savent même pas. Donc quand on était un peu avec eux, on a réfléchi, on a dit bon, pourquoi ne pas commencer par donner des cahiers à ces enfants pour leur dire les enfants vous jouez bien, mais on vous encourage à aller à l'école. Aujourd'hui encore, vous avez celui qui a gagné en finale à partir de quelques jours maintenant. Et ce petit est un petit qui joue très bien, mais depuis l'année passée, il ne va plus à l'école, faute de moyens. Mais j'ai parlé avec madame. Madame avait déjà au moins déjà 4 enfants qui vont à l'école. Qu'elle soutient dans le compte de l'ONG et elle a accepté ce soir encore de soutenir ce garçon. Ce garçon est content, il est heureux parce que madame a dit on ne peut pas avoir des gens qui jouent bien mais qui ne vont pas à l'école, ce n'est pas bon, il faut les aider. C'est la deuxième année qu'on m'a sollicité pour appuyer le tennis, le tournoi, avant la rentrée scolaire. Il me semble que c'est une très bonne initiative pour rallier tous les enfants du quartier et plus loin. Pour compétir pour les fournitures d'école avant la rentrée. Cela économise l'achat de toutes ces choses pour les parents et c'est une contribution pour les familles. Mais c'est aussi pour réunir tous les jeunes joueurs du club pour participer à un tournoi avant la rentrée scolaire quand ils n'auront pas autant de temps pour jouer après la rentrée. J'ai trouvé le tournoi et la journée très bien organisée. Alors, merci, j'ai eu le plaisir d'observer quelques matchs très édifiants. C'est pas facile, et je dois dire qu'il y a une très bonne qualité de tennis ici au Bénin. Et j'encourage tous les jeunes garçons et filles de s'intéresser à ce sport. Je souhaiterais que le tennis béninois continue à croître. Avec l'appui de l'ONG Play Your Game, mais aussi et surtout avec l'appui de la Fédération béninoise de tennis.
Les participants à ce tournoi sont tous repartis avec des kits scolaires. Les vainqueurs, quant à eux, verront leur scolarité prise en charge par la marraine.